Salut, salut! Bon, aujourd'hui... Oh, pardon! Oh putain, c'est pas possible ça! Tissène et ses belles claquettes, et moi, nous allons à Saint-Antonin. Donc on va faire visiter Saint-Antonin, on a pris de quoi... Je l'ai dit, celle qui gratte! Pourquoi tu me défonces le chapeau? Déjà qu'il est pas très à ma taille. Bon, si, ça va quand même. Montre-nous tes belles claquettes, Tissène. Montre-nous. Putain, je filme avec un autre appareil photo, ça fait bizarre. Regarde. Il est plus gros. Regardez ces belles claquettes. Tout le monde se fout de la gueule de mes... Oh putain, mon vernis mal fait. De mes claquettes. Claquettes achetées à Tilly Wage. 4,99€ pour ceux qui demandent. Ouais. Du coup, ouais, vu que j'ai plus l'habitude de filmer avec l'autre appareil photo, je me regarde dans le retour alors qu'il faut que je regarde là. Donc là, nous allons à Saint-Antonin. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des montagnes avec des rivières, du canoë et kayak. J'ai oublié mon maillot. Peut-être de la baignade. Shaïn va prendre son maillot. Prends une serviette au cas où. Non, c'est bon. Mais tu te sèches comment? T'as mis du shampoing sec, t'as les cheveux tout blancs. Non. Si. Non, j'en ai pas mis. voilà. Donc là, on y va. C'est parti. Je trouve plus le bouton, je sais plus comment on arrête cet appareil photo. On est dans un village qui s'appelle Bruniquel, je crois. Ah non, c'est pas Bruniquel, attendez. On est où? Moi, je sais pas. Il me semblait que c'était Bruniquel. Mais bon. Là on voit pas bien mais c'était joli parce qu'il y avait la montagne et en bas il y avait la rivière. Mais là on voit plus, là il n'y a plus rien. Donc on va se calmer, hein. Là c'est une village comme les autres. On va s'aventurer dans une forêt, on sait pas où on va. Mais on y va. À l'entrée il y avait marqué chasse gardée, voie sans issue. Comme elle a dit Tissène, il doit y avoir des sangliers par là. Imagine, il y en a un qui arrive là. Hein? Ah, 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 ah. Elle est marrante cette fille. En plus on est sur une montagne. J'ai peur. Je suis sûre qu'il y a le vide là en bas. Je suis stressée. Imagine, on peut pas faire demi-tour. Il va falloir faire marche arrière, ça va être galère. Oh non. Il y a le vide en bas là, non? Oh putain, oui, elle est vide en bas. J'espère qu'on peut faire demi-tour. Ouais, on peut faire demi-tour. Oh putain. Ah, mais il y a des gens. Ah, mais on n'est pas les seuls. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais c'est chez des gens, en fait. Ah, merde. J'ai peur. T'as peur de quoi, là? Oh, regarde, il y a la pierre d'Obélix. Qu'est-ce qu'elle dit? Tu connais pas... T'as jamais vu la pierre, là, dans le... Ouais, mais c'est la même forme. Ah ouais. Ah en fait ouais, on est chez quelqu'un en fait. Et là-bas il y a les montagnes mais je vais vous montrer après. C'est super beau. Là je suis en train de m'imaginer les gens là dans la maison. Parce qu'elle est vraiment bizarre cette maison. T'imagines Tissène, ils sortent comme dans la colline à des yeux. Qui a vu le film La colline à des yeux? Parce qu'elle est vraiment bizarre cette maison. J'ai un petit peu peur. Je suis sûre que c'est une maison hantée ça. Je sais pas. Attendez, regardez. Elle est bizarre cette maison. Qui habite là? Eux. Tu sais, c'est les genres de qui habite là? Non. Les genres de Francis ou Clément. Les chasseurs. Ah, regardez la montagne, là, on la voit bien. Attendez, je vais zoomer un petit peu. Est-ce qu'avec cet appareil photo, je peux zoomer? Stop. Calme-toi. Pas se calmer le zoom. Ah, voilà. On voit pas trop bien, mais ça a l'air trop beau. Regardez comment c'est beau. On va aller faire de l'escalade ici, hein, Shaïn? Shaïn? Pourquoi tu dis Shaïn? Parce que t'aimes bien l'escalade, toi. Ça fait penser à Vertige. Ça fait penser à les collines à des yeux. C'est un film d'horreur. Oui. Mais c'est beau, n'empêche. Hein, je savais pas qu'il y avait des choses aussi jolies à côté de la maison. Regardez, il y a la même traction que mon grand-père. Je vous jure, mon grand-père, il a la même, sauf qu'elle est plus belle. C'est vraiment une voiture de collection, ça. C'est trop beau, j'adore. Et pour démarrer, il fallait tourner la manivelle ici. Je sais pas si c'est toujours le cas. Mais en tout cas, j'aime bien. J'ai entendu des mots. Mais pas, il suit des aisselles, ouais, il suit des aisselles.
C'est pas vrai, c'est le produit des aisselles là, il a pas séché. Bon, c'est un gros mytho, tu vois, ce boss, c'est un mytho. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi, même? Et parce que tu suis pas des aisselles. Ouais, tu vois le policier. Regardez, non. En fait, à chaque fois qu'ils se battent tous les deux, Shaïn, et vu qu'il a vu la Casa de Papel, non, c'est Nancy... pas ah c'est non, Stranger Things. Ah oui, c'est... Bah, il a vu les deux de toute façon. À chaque... En fait, il lui dit, parce que Tyson, elle a pas encore vu la fin de la série. Alors, à chaque fois que Tyson, elle le fait chier, il lui dit, ah, tu sais, le policier, en fait, il commence à parler pour lui spoiler. Et du coup, Tyson, elle dit, non, ça y est, t'es gentil, t'es le plus beau. Regarde le chantage du mec là. Le chantage. Ah. Ça fait du bien d'avoir un chapeau sur la tête. Tu sèmes? T'es jalouse? Oh, t'as acheté des lunettes. Non, mais les lunettes elles sont trop belles. Et les achetez-vous? Dans ton cul. Voilà. Ouais, bon, j'en étais, tu vois le policier? Ouais! Il a oh, non! Voilà. C'est comme ça. Bon, on arrive là, je vais vous montrer, ça a l'air super joli le petit coin. Regardez comment il travaillait avant. Montrer l'autre, mais en fait c'est celle-là qu'il a, mon grand-père, parce que le je me souviens l'arrière c'était grand comme ça. Ouais, je me rappelle quand je montais dedans, elle est trop belle celle-là. Elle est quand même plus belle, hein. Regardez comment il sciait le tronc avant, les troncs d'arbres. En fait, il faisait les planches en bois comme ça, faire des cabanes ou je sais pas ce qu'il faisait. Il a même la tenue, le mec. Et là-bas, on va aller voir, il y a la laverie ancienne. Et c'est que des produits locaux ici, que des produits locaux et que des produits faits main et des produits naturels. C'est vraiment un village, quoi. C'est bizarre de voir ça quand même. Ouais, c'est vraiment ancien temps, ça. T'imagines comment c'était fatigant avant de travailler et nous on se plaît maintenant alors qu'il y a des machines. T'imagines comment ils vivaient les gens, c'est là. Et t'imagines comment tu vis que tu te plains toute la journée. T'imagines que dans 50 ans les gens ils vivront 1000 fois mieux que nous, ils se foutront de notre gueule. Ouais, c'est ça. Si on dans est 50 encore. Ans encore, je suis sûre, il y a les tronçonneuses, ils vont couper toutes seules. Ouais, les bus voitures elles vont se conduire toutes seules. Ben, il va y avoir des voitures volantes, hein. Ouais, non. Ouais, bon, ça c'est pas demain la veille. Si, pour les Jeux Olympiques, il va y avoir une voiture volante. Ah ouais, ouais. Postuler. Pour les Jeux Olympiques, il va y avoir une voiture volante. J'ai vu ça, je sais plus. Bien, on va voir ça, c'est plus intéressant. Ouais, on va aller voir la laverie. Il s'agit. Regardez comment il avait avant. Aïe. Elle aplatit, je sais pas pourquoi, mais elle aplatit. Et elle frotte. Tyson, tu veux essayer? Tyson, tu veux essayer? Tu peux partir en vacances en Portugal, c'est bon. D'accord. Alors en fait elle tape pour que le savon aille partout. Je me demandais pourquoi elle tapait. Ouais. Et moi je crois que c'était pour aplatir la tâche. Moi je pensais que c'était pour essayer un compris. Voilà, regardez, il prend le chapeau. C'est tout chaud en fait. Ils mettent dans la presse. Et voilà. Ah, ok. Ah, t'as vu, c'est vite fait. On va comprendre comment il a fait. Ouais, il y a le feu. Ouais. Ah, ouais, c'est génial ça. Est-ce qu'il va en prendre un autre ou il va en faire un autre ou pas? C'est pas
presque le même chapeau que j'ai sur la tête quoi. Je suis à la mode alors. Je suis à la mode. Chapeau pareil. C'est un moulin où fabrique l'huile de noix. Alors l'autre jour le cheval a cassé la bricole et du coup alors ça c'est des copeaux de noix je crois. Et lui la sent où? Je sais pas du tout. Ah oui c'est chauffé. Hein. Ah oui mais c'est mis là en fait. C'est quoi? En fait ça tourne et ça écrase les noix ça. Et après qui touille là-bas. Et après je sais pas. D'accord, les cerneaux. Quand on passe l'eau, on passe coquille. La coquille, on la lève. Oui. Cerneaux de noix. Ensuite, ça va dans la poêle là-bas. Ouais, ça va dans la poêle. C'est ça qui sent super bon. On le chauffe, voilà. C'est la bonne odeur. Une fois que c'est bien chaud, ouais. On va le récupérer pour le mettre dans un panier. Et ce panier, on va le porter sous la presse. La grosse poutre, c'est une presse. D'accord. Et là-bas au bout, il y a des gens qui attendent pour tourner. Oui. Pour baisser la poutre pour presser. D'accord. Voilà. Ok, et ça fait l'huile. Et l'huile sort dans la petite bassine. D'accord, on va aller voir de plus près. Et à la fin, on enlève le panier, le reste de noix. On le met dans la bassine, là, ouais, c'est ça. D'accord. Et on peut l'utiliser comme pour faire des gâteaux. Mais l'huile, on la laisse décanter et on la met en bouteille. D'accord, voilà. Ok. En tout cas, ça sent super bon. Ouais. Ben, nous, on pensait que ça sentait le popcorn. Ah. Et en fait, pas du tout. On va aller voir. L'huile qu'on met dans le maïs. Peut-être. Voilà, je vous laisse regarder. Ouais. Sous, il y a le feu. Oui, j'avais vu le feu. Merci. Ça, c'est pour faire les gâteaux. On peut goûter? On va à la mer quoi. C'est les noix? Ouh c'est chaud? Elle a pas mangé. C'est un peu chaud. C'est vrai? Ouais. J'ai rien touché, j'ai ramassé le contenu du cheval. Non, je m'en fous, j'ai pris au-dessus. Elle a dit depuis 3 jours. Voilà. La poutre, c'est la presse, elle nous a dit. Et là-bas, ils attendent, elle m'a dit. C'est quoi la coquille? Ça goûte la coquille. Eux, ils attendent. La poutre, ça fait 3 tonnes. Ils attendent pour voir. Ah ouais, en fait, ils tournent et ça sort l'huile là-bas de l'autre côté. Qu'il faut tourner, qu'il faut baisser la poutre. Ok. Ça sent le riz. Voilà. Ah là, vous avez du bon de nom là. Ah oui, c'est pas grave. Oui, on va les coucher. Pardon, c'est la plage. Alors là, ils remplissent. Bon. Voilà. Ils ferment. Et là, je pense qu'ils vont actionner. C'est bon? Allez, c'est parti. Pardon. Hop, hop. Si vous voyez que ça force, c'est vous n'êtes pas dans le bon sens. Allez. Allons départ, ça va. Et ça tourne. Il va sortir la balle, lui. Vous avez rien impressionné, vous êtes là. Ça va, regarde. Allez, ça va couler là-bas. Ça va couler par là. Ouais, ça sent bon.
Ouais, ça coule. Voilà. Bon, du coup, on a acheté. Tiscène, ouvre-moi. Ouvre le tien. On a acheté de l'huile de noix. C'était 2 euros la fiole. Et on en a pris un peu parce que c'est. On nous a dit que c'était très bon pour la santé. Donc, et puis c'est vrai que c'est très bon l'huile de noix. Bah, les salades et tout, ça va être super bon. Voilà, voilà. Et les fameux sabots en bois, j'avais une paire chez mes grands-parents quand j'étais petite. Regardez comment ils le font. Allez-y, vite, vite, vite. Allez-y, je filme. Ça prend combien de temps pour faire une paire de sabots? Ça fait la 58e question, la même question que vous. On n'a pas de temps. Ok. Ça dépend comment on se lève le matin, la force de le bois, ça dépend du besoin de sabots que nous avons. Parce que le sabot, il se fait, il faut compter, à partir du moment où le sabot coupe son arbre, qu'il soit sur le talage, il faut compter 8 mois, 1 an. Ah d'accord, ok. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors comment on fait comment on le fait par gemme, si vous voulez, à mesure, disons que le bois sèche, parce qu'on travaille le bois tout vert. D'accord. Mais le temps dépend de la machine. D'accord, ça dépend du bois. Disons que avec les machines que j'ai, je vais vous le faire il y a demi-heure, 3/4 d'heure de travail. D'accord, ok. Après, pour les poser, pour les. Oui. Pour les fleurir. Pour les décorer. Ceux-là, ils sont. C'est quoi comme bois? Ils sont solides, ceux-là. Ah, ben, oui, la même. Alors, je vais recommencer. Mais le prochain qui arrive, dites-le lui. Voilà. Chaque région de France, de Navarre. Bon, il répète, donc je vais pas filmer deux fois la même chose. T'as la brioche cuite au feu de bois. Très bizarre. C'est de la brioche, mais pas gonflée. C'est 28 euros le kilo. 10 euros là le paquet. Ouais. C'est intérêt à être bon. Et tu peux goûter là. Ouais, mais il n'y a que les restes, il n'y a que des miettes. Tiscène, elle va quand même goûter, même s'il n'y a que des restes. Elle va nous dire si c'est bon ou pas. Est-ce que c'est bon, Tiscène? Non, c'est tout là. Est-ce que c'est bon? Merci beaucoup. C'est du gâteau? Allez. Bon. C'est bon, mais normal. C'est mou. C'est du gâteau. C'est bon, mais pas de quoi l'acheter 10 euros? Non. Bon. Pas 10 euros. Ouais, ça doit être... ouais, parce qu'après, c'est fait artisanalement, ouais, donc c'est pour ça que c'est plus cher. Mais c'est voilà. Bon, mais ça a le goût à. Ça n'a pas le goût de brioche. Ça a le goût à un gâteau que j'ai déjà goûté, mais je sais pas quoi. Un cake, non? Non. Un gâteau sec. Et là, ils font les paniers. Tu me filmes dans tous mes états, là. Non? Pas trop. Chahine, il a pris une glace cassis. Et Tiscène, elle a pris pêche de vigne. Il est vite, le cornet, ça sent. Elles sont bonnes ou pas? Non. Elles sont bonnes ou pas? Elle est meilleure la tienne. Elle est meilleure la tienne. Ils ont échangé. Non, elle est meilleure la mienne. Oh. En plus d'être moche, elles font du bruit, s'il te plaît. Vas-y, marche. Elles sont pas moches, arrête. Par contre, elles sont un peu grandes. Et pas grandes. Elles sont pas moches, Cathy. Elles sont magnifiques. C'est, on dirait, presque les Chanel que tu m'as montré, qui sont trop moches. Belles. Les Chanel? Ouais. Tu viens de me dire qu'elles étaient trop moches? Changer la vie. Ah, d'accord. J'ai baigné que je m'étais cassé les pieds. Donc, du coup, c'est ici qu'ils font du canoë, qu'ils se baignent, les gens. On a cherché, on a trouvé un petit peu quand même un an, voilà. On va voir si on trouve quelque chose, mais c'est très difficile d'accès. Par contre, monsieur, on va tomber dans l'eau. Regardez, ils se baignent les gens. Oh, j'irais bien baigner moi aussi, si. Oh, j'ai chaud. Ah, c'est ici, Tiscène, qui a les rapides un peu, non? Ouais, je crois que c'est ici. Attends, je cherche. Ah, c'est un coin de baignade ici. Est-ce qu'il y avait une descente de rapide? Non, là où on descend avec le. Ah ouais, les gens en fait. Ah, mais c'est pour se baigner ici, regarde. Une cascade là-bas. C'est cool ici. Oui, ok, c'était là qu'on venait. Ah, c'est cool ici, regardez. Là, c'est pour être tranquille.
Regardez ce super beau endroit, c'est trop beau. Mais c'est super beau. C'est bien, tu poses ta serviette, tu te mets dans l'eau. Bon, après, c'est plein de cailloux. Après, c'est plein de cailloux, mais c'est bien. C'est un coin tranquille, quoi. Bon, mais du coup, on est rentré hier. J'ai complètement oublié de vous faire la suite. Quand on est rentré, tout ça, on s'est pas baigné finalement dans le lac parce qu'il y avait trop de monde. Il y avait que Shane qui avait le maillot de bain finalement. Et en fait, il y avait un chien dans l'eau, il a eu peur. Donc du coup voilà, on s'est pas baigné, on est rentré directement, c'était le soir, il y a eu rien d'exceptionnel, on est rentré et puis on a fait quoi, on a mangé, on s'est douché, on est parti se coucher. Voilà, donc là on est le lendemain et puis on a passé une très très bonne journée, on y est allé sans savoir qu'il y avait tout ça et finalement ça a été une très très bonne surprise. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.